Bah, ce qui manque, c'est le but. C'est tout. Mais après, on a perdu le match, mais je pense pas qu'on a perdu le match. Pour moi, sincèrement, c'était un match nul. On a tous vu que il y avait hors-jeu sur le but, mais je ne sais pas si l'arbitre il a bien vu, il a mal vu, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça le foot. Ben, on accepte la défaite, ben, tant pis pour nous. Justement, il n'y a pas la VAR, mais voilà, je ne sais pas s'il sert à quoi l'arbitre ou pas. On a vu les images après le match. Il y avait largement, même l'attaquant même, il nous a avoué après le match qu'il y avait hors-jeu. Après, il a pris sa décision, ben, comme je vous dis, tant pis pour nous. Ça fait mal surtout sur la course finale, ça fait super mal et ça plombe notre classement. Et la prochaine fois, je pense qu'on essaiera de tuer le match, gagner normalement, sans attendre de l'arbitre. Ouais. Et justement, le sprint final avec les matchs à venir, là, un peu décroché par rapport aux 4 premiers Ligue 2, Auxerre et derrière, même s'ils ont perdu ce soir. Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour remobiliser dans ce sprint final qui s'annonce quand même très, très excitant pour nous, mais très intense pour vous? C'est très intense, mais l'essentiel, c'est que on sera là. L'essentiel, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je vous promets juste qu'on sera là pour les barrages. Ouais. C'est l'objectif, ouais. Et je sais qu'on va y aller. Hein. Ouais. Je suis confiant de mes joueurs, je suis confiant des staffs et on sera là, on sera présent.